Alors aujourd'hui, oui, c'est la journée nationale du commerce de proximité. C'est une journée qui est organisée chaque année et sur laquelle le commerce en Haloire répond présent. Cette journée a pour but de mettre en avant le commerce de proximité et également de montrer à nos clients, futurs clients et voyageurs, les ressorts de notre ville. Et donc là, justement, on est dans le commerce mode enfant, c'est ça? C'est ça. Voilà, qui a ouvert il y a 2 jours. Il y a 2 jours, mercredi. Et donc voilà, les journées du commerce de proximité sont aussi faites pour les nouveaux commerçants, comme une présentation justement aux clients d'Aumale. C'est un petit coup de pouce pour eux. Donc c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, 12 nouveaux commerces depuis 2 ans. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a de la demande. D'accord. Enfin, pour ma part, au niveau de la commune, on est vraiment ravis d'avoir eu le 4e sourire l'an dernier. Parce qu'on fait quand même partie des 10 communes de France et ont été récompensées. C'est quand même un cercle très restreint, ce qui montre le dynamisme. Et il y a vraiment un gros partenariat qui est instauré entre l'union commerciale, les commerçants, la mairie, pour essayer vraiment que chacun puisse apporter aux uns et aux autres dans la proximité, mais aussi dans le bien-être de tout le monde. Et que les Aumalois trouvent, bien sûr, tout ce qu'ils cherchent dans le local, ce qui est très important. Et puis, c'est pour ça aussi que cette année, la commune a mis un accent particulier à promouvoir ce que l'on fait dans le cadre du commerce local, aussi bien on ne met pas de taxes sur les enseignes pour que chacun puisse être à l'aise financièrement. On essaye d'apporter un maximum de prêts de matériel ou de dispositions, de façon à ce que les choses puissent être correctement abordées. On prête les salles dans le cadre du marché du monde, enfin dans le cadre de Noël, pour que chacun puisse promouvoir. Enfin, vraiment, on est à vos côtés et on est fiers qu'en fait, Aumale est une union commerciale de cette qualité, qui est vraiment un point d'honneur à ce que aujourd'hui le ticket de quinzaine qui aujourd'hui se perd dans plein d'autres communes aujourd'hui est quelque chose qui fonctionne très bien, où les habitants sont habitués à avoir ces fameuses quinzaines commerciales qui font gagner des lots importants. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre investissement et la commune est à vos côtés pour que la JNCP soit honorée et que vous soyez honorée et récompensée à la hauteur de vos engagements. Merci beaucoup. Merci à vous.